La raison d'être de la chambre syndicale des bureaux d'études de marché de sondage d'opinion, c'est que l'idée, elle a émergé depuis une bonne dizaine d'années. Pas maintenant, elle ne date pas depuis hier. Donc, c'est-à-dire ça fait une dizaine d'années qu'on se rencontre entre confrères, entre professionnels, soit dans les salons à l'étranger en France, au travers le CEMO par exemple, dans des congrès des OMA. On voulait toujours nous rassembler, nous réunir autour d'une même table pour partager nos problèmes communs, nos soucis, pour promouvoir la profession, pour protéger notre profession contre des intrus, contre peut-être des gens qui ne sont pas professionnels, qui ne sont pas du domaine, mais qui s'affichent devant nos clients, nos partenaires, qui font des études de marché, mais que réellement, ils ne sont pas du tout du domaine. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas, il faudrait bien qu'on se rassemble comme les autres métiers. Ça a été toujours dans des discussions comme ça, mais finalement, le projet a commencé à prendre de l'ampleur et à prendre donc une dimension plus sérieuse après la Révolution. Parce que, vous savez, les deux domaines qui font parler de la profession, vous avez d'abord le domaine des études de mesure d'audience, et le deuxième, c'est le politique. Le premier domaine, il a fait couler beaucoup d'encre. Tout le monde sait ça. Donc on en a parlé beaucoup, même avant la Révolution. Mais le deuxième domaine, il a pris une autre ampleur et ça touchait vraiment la crédibilité et le sérieux de la profession. Et c'est pour cela qu'on s'est mis d'accord et on a dit maintenant, ça suffit, ce genre donc, de ce qu'on parle de nous, de mal, de mauvais, de négatif. Le professionnel des études de marché de sondage d'opinion, c'est pas ça, c'est du sérieux. C'est des gens compétents, c'est des gens qui ont un niveau académique très sérieux et nous utilisons des outils donc des outils exactement comme ça se passe en Europe ou aux États-Unis et donc il n'y a pas de raison pour qu'on ne parle de nous de cette manière et voilà donc on s'est rassemblés concrètement il y a 3 ans et puis on s'est réunis plusieurs fois chez nous, à mon bureau, dans le bureau de René et dans des confrères et finalement donc la chambre a été créée officiellement en décembre 2013. Premièrement, la chambre syndicale est un lieu de réunion où tous les professionnels peuvent se réunir autour d'une table, comme l'a dit Nabil, pour essayer dans un premier temps d'identifier quels sont les moyens qui doivent être mis en place pour développer le métier, pour faire connaître l'offre d'expertise. Nous sommes tous des experts, certains dans des domaines plus spécifiques que d'autres. Présenter la vision et le professionnalisme de cette chambre-là. En même temps, nous avons tous quelques petits problèmes. Vous savez que notre domaine d'expertise, notre métier, n'est pas régi par aucune loi. Donc, quelque part, on a aussi besoin d'une régulation. Alors, en attendant une certaine régulation, il faut une autorégulation. Et ça a été notre volonté de dire, nous sommes des professionnels, nous pouvons émettre un avis ou émettre des recommandations sur certaines études ou sur certaines pratiques. Dans un autre volet, comme l'a dit Nabil aussi, le domaine politique et le domaine des audiences ont été deux domaines où il y a eu énormément de problèmes. C'est l'objectif de la Chambre, c'est aussi de nous assurer que ce sont deux domaines qui vont être régis, bien autorégulés, pour qu'il n'y ait plus du bruit, pour qu'il n'y ait plus des problèmes autour de ces thèmes-là. Alors, nous sommes en train de préparer une charte. Nous sommes en train de préparer un règlement interne aussi. Tous les bureaux d'études ont été invités à participer et à être membres de la chambre syndicale sans absolument aucune restriction. Et
comme je vous ai dit, dans nos pratiques de tous les jours, nous avons aussi quelques petits soucis, entre autres avec la CNSS, etc., où nous devons donc au moins avoir une chambre syndicale faisant partie de l'UTICA qui peut être le vis-à-vis pour certaines problématiques. Par ailleurs, il y a un capital confiance que nous avons aussi besoin de promouvoir auprès de nos clients, de nos partenaires, pour les assurer du bien fondé des méthodologies qui sont utilisées par les différents bureaux d'études. Donc ce n'est pas promouvoir tel ou tel bureau, c'est réellement de promouvoir la profession en tant que telle, défendre ses intérêts et s'assurer du développement de cette profession-là. On n'a pas besoin de faire une école de commerce ou donc un diplôme précis en matière d'études de marché, par exemple. Non, non, non. C'est ce qui rend notre métier agréable et extraordinaire et merveilleux, c'est que nous sommes très polyvalents. Nous touchons à tous les secteurs. Il n'y a pas un secteur d'activité que nous abordons dans notre quotidien. De la consommation, banque, les finances, la télécom, le healthcare, la santé, le social, le politique, en jungle avec tout. Et à partir de là, il suffit d'avoir évidemment un bon sens en termes donc d'observation, d'analyse, de réflexion, et là on peut travailler dans notre domaine. Ceci dit, il y a des compétences, il y a des outils qui sont nécessaires. On ne peut pas faire un bureau d'études de marché si nous n'avons pas une compétence en statistique. On ne peut pas faire une analyse qualitative si nous n'avons pas une compétence en psychosociologie, par exemple. Donc, on ne peut pas faire une analyse des données si nous n'avons pas un informaticien pour pouvoir jongler avec les outils informatiques. Donc ça, ce sont les outils, les compétences qui sont nécessaires. Mais c'est-à-dire créer un bureau et monter un bureau d'études, non, il n'y a pas un profil précis. On trouve des médecins qui ont des bureaux d'études de marché, on trouve des ingénieurs, on trouve des sociologues, on trouve des philosophes, donc on trouve de tout. C'est vraiment le schéma des bureaux d'études. Maintenant, alors, je voudrais virer un tout petit peu au niveau de la charte. L'essentiel de notre métier, c'est de maîtriser ces outils, de faire un travail qui a un sens scientifique, et puis, surtout, de respecter cette charte, la déontologie que nous voulons mettre. C'est quoi cette charte? C'est que nous sommes les professionnels des études de marché, la majorité des membres sont membres des ESOMAR. C'est quoi ESOMAR? C'est l'Association mondiale des professionnels des études de marché de sondage d'opinion. C'est une association d'origine européenne qui a été créée en 1944, et donc maintenant elle est devenue mondiale, et son objectif principal, c'est de respecter un cadre déontologique du métier qui est inspiré du Code international de commerce et qui régit cette profession. Par exemple, on n'a pas le droit d'interroger un enfant sans le consentement des parents. Par exemple, on ne peut pas poser des questions n'importe comment sans une introduction, sans bien introduire le thème et le sujet en question. On ne peut pas donner l'identité du répondant au client qui nous demande une étude de marché. Tout ça, ce sont des règlements, des codes qui existent dans le code ESOMAR, et les membres donc sont tenus de respecter ce code-là. Nous, dans notre esprit de la chambre professionnelle, nous voulons donc installer, à mettre en place en Tunisie une charte professionnelle qui s'inspire du code des ESOMAR, parce que nous avons nos particularités, nous avons notre culture, notre tradition locale, qui doivent donc être aussi protégées en termes donc d'identité, donc des répondants, en termes donc de consentement, etc. Donc c'est ça ce que je voulais dire en termes donc de charte professionnelle et de règlement que nous voulons donc mettre en place. C'est un processus qui est long, c'est un processus d'apprentissage, un processus où petit à petit on amène aussi bien la société civile, et heureusement lors des dernières élections les chiffres étaient assez proches, donc là je pense qu'on a eu un regain de confiance dans les différents bureaux d'études et de sondages d'opinion, en disant que bon, en allant vers le Tunisien et en récoltant les informations, on peut arriver à un résultat qui soit proche de la réalité, sachant d'autant plus, et Nabil était parmi ceux
qui faisaient les sondages d'opinion politique, ils ont réussi quelque chose d'absolument extraordinaire dans la mesure où c'était une première expérience en tant que telle. Vous savez, en France ou ailleurs à travers le monde, ils ont un historique qui fait en sorte qu'ils ont des coefficients de correction que nous n'avons pas encore en Tunisie. Donc pour ça, ça a été très bien mené. Et ça a résulté en une espèce d'aura pour tout le métier. Ça a redonné un petit peu confiance dans ce que nous sommes en train de faire. Mais ce n'est pas une guerre, c'est un travail de longue haleine. Donc petit à petit, les différents intervenants, que ce soit les annonceurs qui sont les partenaires, que ce soit le Tunisien aussi qui aujourd'hui, de temps en temps, quand on lui demande de participer à une étude, il ne nous prend pas au sérieux, ou il ne croit pas aux résultats que nous pouvons donner, et donc a un espèce de frein pour participer aux études. Donc en fait, les problèmes viennent de plusieurs intervenants. Mais petit à petit, c'est vraiment, comme je vous le dis, un travail de longue haleine qui va faire en sorte que, aussi bien auprès des autorités publiques, qu'auprès des annonceurs, qu'auprès de la société civile, qu'auprès du Tunisien, qui lui-même gagne à comprendre ce que nous faisons, ce capital confiance rayonnera, j'espère, au niveau de tous ces intervenants-là. Est-ce que le Tunisien a une capacité d'adaptation et d'apprentissage extraordinaire? C'est vrai, parce que notre processus d'évolution, comme je l'ai vu, il est court quand même, donc quelques années. Au début, vraiment, c'était très difficile. On ne croyait pas du tout à nos chiffres, à nos sondages. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font du politique maintenant, mais Inch'Allah, ils arrivent à trouver un peu de niveau de consommation, ils font des études de mesure d'audience. Maintenant, on fait des sondages politiques, etc. Donc, on était très, très, très mal accueillis dans ce domaine-là, avec beaucoup de méfiance de la part des médias, de la société civile, des politiques, de tout le monde. Mais j'ai vu que vraiment l'évolution a été très rapide et très intelligente. Donc on commence à être plus attentif, hein. On fait beaucoup plus attention à nos chiffres, on suivait mieux les évolutions, et puis on analysait très très bien les chiffres, et les interprétations ont été vraiment très très intéressantes en laps de temps très court. C'est ça qui est extraordinaire. Maintenant il suffit de donner c'est-à-dire un résumé de notre baromètre, vous allez voir comment les médias, les journalistes vont réagir avec une analyse très pertinente. Eux-mêmes, ils se sont formés très vite à ce métier-là. Ils se sont devenus très très vite familiarisés avec, quand on parle d'échantillonnage, de marge d'erreur, de croisement de chiffres, etc. Donc, ils se sont très vite adaptés à ce métier-là, à ces outils, à ces chiffres, et maintenant, je vois que c'est vraiment, on a vraiment bien évolué dans ce domaine-là, et c'est une très bonne réaction, et c'est ce qui nous encourage beaucoup plus à nous montrer, à être là pour n'importe quel événement, pour le mesurer, pour sonder l'opinion des gens, et puis dire à tout le monde, regardez, voilà en quelque sorte le reflet de l'opinion publique, comment il est. Petite anecdote, alors non seulement au niveau des médias, mais même au niveau du Tunisien, monsieur, madame, tout le monde, qu'on appelle de temps en temps pour lui dire, est-ce que vous voulez participer à une étude? Alors il vient de manière très méfiante, et quand il trouve qu'il y a réellement une vraie réunion, par exemple des focus group, ah, il disait, ben, vous savez quoi, je pensais que c'était une caméra cachée. Je suis venue, j'ai ramené mon mari, ou j'ai ramené ma femme avec moi, ou j'ai ramené mon fils avec moi, parce que je n'étais pas sûre. Donc petit à petit, ça commence même à être une partie intégrante de du quotidien du Tunisien. Mais je vous promets, caméra cachée, on me l'a déjà fait. Je vous promets, les gens venaient en me disant, ah, on pensait que c'était une caméra cachée.